Pierre, le premier pape, qui n'était pourtant pas bien brave, se met alors à prêcher comme jamais, parlant de la mort et de la résurrection de Jésus, et ceci à tel point que les autres disciples ne le reconnaissent pas. Et le livre des Actes de la Bible dit que ce jour-là, 3000 personnes reçurent le baptême. C'est cet événement qui marque la naissance de l'Église pour les chrétiens. L'Église avec un grand E, qui désigne l'ensemble des chrétiens, donc pas le bâtiment. Église avec un petit E, c'est le bâtiment. Église avec un grand E, c'est l'ensemble des chrétiens. Et pour les chrétiens, l'Église avec un grand E est l'épouse du Christ. Mais les premiers chrétiens étaient une mouvance du judaïsme. C'était pas encore considéré comme une religion à part. Une mouvance parmi les autres, en plus de celles que je vous ai déjà citées tout à l'heure. Les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens et les Zélotes. C'est comme s'il y avait un autre groupe qui se rajoute à ceux qui existaient déjà. Et il va y avoir deux sortes de chrétiens. Des chrétiens qui sont des juifs de Palestine, des juifs de Judée, des juifs du terreau si on peut dire, et des chrétiens qui sont des juifs hellénisés, c'est-à-dire mélangés à la culture grecque. Et dans le livre des Actes, qui est dans le Nouveau Testament de la Bible, il y a les 12 qui représentent les apôtres, qui sont les chrétiens juifs du terreau, juifs de Judée, juifs de Palestine. Je vous rappelle que le terme apôtre désigne les 12 disciples principaux de Jésus. L'un d'entre eux a trahi, il s'agit de Judas l'Iscariote, il a par la suite été remplacé par un autre. Mais quand on dit les 12, ça désigne les apôtres, donc les principaux disciples de Jésus. Et les 7 qui représentent les chrétiens qui sont des juifs hellénisés. Étienne, qui fait partie des 7, va être tué, et c'est le premier martyr, le premier à mourir pour la foi chrétienne. Et donc ces chrétiens, faisant partie des juifs hellénisés, vont quitter Jérusalem, car c'est pour eux que cela va être le plus violent. Mais rapidement, il va y avoir encore des persécutions qui vont cette fois cibler tous les chrétiens. Et l'apôtre Jacques va être tué par Hérode. Les apôtres, les 12 apôtres, vont à ce moment-là se disperser, et Pierre va quitter Jérusalem. On va donc avoir une communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, qui sera dirigée par un autre Jacques, le frère du Seigneur, on nous dit dans la Bible, Jacques c'est le frère du Seigneur. Alors, comment entendre le mot frère? Ça dépend des interprétations. Les catholiques et les orthodoxes affirment que Jésus était fils unique, donc frère c'est un terme qui peut désigner cousin, ou alors frère ça peut être une fraternité spirituelle aussi. Et donc en plus de cette communauté de Jérusalem, il y aura des chrétiens itinérants, voyageurs, que Pierre, l'apôtre Pierre, aura rejoint. Donc l'apôtre Pierre c'est le premier pape pour les catholiques, et qui vont donc parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de ce deuxième groupe surtout, donc ce groupe des chrétiens itinérants, des chrétiens voyageurs, que le christianisme va s'ouvrir, puisqu'ils vont commencer à annoncer la bonne nouvelle à des gens qui ne sont pas juifs du tout. Pierre va baptiser Corneille, qui n'était pas juif. Mais c'est surtout Paul, qu'on appelle l'apôtre des nations, qui avant persécutait les chrétiens avant de se convertir lui-même, parce qu'il aurait eu une vision du Christ sur le chemin de Damas alors qu'il était en route pour aller massacrer les chrétiens. Et donc c'est cet apôtre Paul qui, lui, va surtout s'adresser à tous. Du coup, il va y avoir deux conceptions. La conception de Jacques, qui dirige la communauté de Jérusalem, et qui va vouloir qu'on demande aux non-juifs qui veulent devenir chrétiens de devenir juifs d'abord. Il faut donc appartenir au peuple juif pour pouvoir ensuite devenir chrétien, d'après Jacques. Et celle de Paul, qui dit que non, maintenant ça ne marche plus comme ça, l'évangile est pour tout le monde et pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien. C'est la conception de Paul qui va l'emporter, parce que lors de la grande assemblée de Jérusalem, qui a eu lieu en 49 après Jésus-Christ, on a donné raison à l'opinion de Paul. Et c'est celle qui est appliquée toujours de nos jours par les différentes confessions chrétiennes. Pour ceux qui veulent être baptisés, on ne vous demande pas de devenir juif avant, vous devenez chrétien directement. Le christianisme va donc commencer à se répandre avec beaucoup de non-juifs qui deviennent chrétiens, à tel point qu'il y aura au bout d'un moment, plus de non-juifs chrétiens que de juifs chrétiens. Mais il va y avoir une série de catastrophes. Jacques, le frère de Jésus, va se faire assassiner en 62 sur ordre du grand prêtre Aman. Et les chrétiens de Jérusalem vont donc fuir en Transjordanie. Dans l'opinion publique, on va aussi commencer à faire la distinction entre juifs et chrétiens. Et cela va poser un grand nombre de problèmes aux chrétiens. Parce que, en effet, les juifs avaient le droit de ne pas rendre de culte aux dieux romains et à l'empereur.
Mais si les chrétiens ne sont plus considérés comme des juifs, eh bien, ils perdent ce droit. Et l'empereur Néron, l'empereur romain, va lancer des persécutions contre les chrétiens. Il va vouloir s'en débarrasser. Et enfin, en 70 après Jésus-Christ, une catastrophe pour tout le peuple juif, qu'il s'agisse de juifs chrétiens ou de juifs qui ne sont pas chrétiens, les Zélotes, donc les juifs qui étaient pour la lutte armée contre les Romains, vont déclencher une guerre contre les Romains, une guerre très violente qu'ils vont perdre, et le temple de Jérusalem va être détruit et pillé par le général romain Titus. Le courant juif des Sadducéens, qui, je vous le rappelle, était rattaché au temple, va donc prendre un sacré coup dans l'aile. Et en 135, sous Hadrien, le courant des Zélotes est définitivement écrasé à la bataille de Massada, et les Esséniens sont éradiqués au passage. Le courant juif des pharisiens est le seul courant juif à survivre, et c'est lui qui va donner naissance au judaïsme rabbinique qu'on connaît actuellement. Et c'est la connaissance et l'étude des textes, toute cette émulation intellectuelle propre au courant pharisien qui a permis au peuple juif de survivre dans son identité à travers les siècles. Et ceci jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées et dont vous connaissez certaines. Alors il faut savoir qu'au tout début du christianisme, il n'y a pas encore de hiérarchie claire comme dans l'institution catholique qu'on connaît aujourd'hui. Il y a cependant déjà différents ministères. Alors ministère, ça veut dire service, si vous préférez. On a deux sortes de ministères, donc deux sortes de services. Les ministères itinérants, donc des gens qui ne sont jamais au même endroit, des gens qui se déplacent. Là, on est dans la mission, on est dans l'annonce. Il faut que la bonne nouvelle se répande à un maximum de personnes, donc il faut se déplacer pour aller annoncer l'évangile à tout le monde. Et on a aussi des ministères locaux. Donc ça, ce sont des gens qui ne bougent pas, qui sont affectés à un lieu. Après, à partir du IIe siècle, on commence à trouver une organisation qui ressemble plus à celle qui existe actuellement. Avec un évêque, qui est considéré comme étant le successeur des apôtres dans chaque ville principale de chaque province, qui va être assisté par des prêtres, etc. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, on va rédiger les quatre évangiles. Les quatre évangiles qu'on connaît. Chacun ayant pour auteur Marc, Matthieu, Luc et Jean. Alors attention, je dis quatre évangiles, mais en fait il n'y en a qu'un, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Mais cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile unique, est raconté selon la version de quatre personnes, de quatre témoignages. L'ensemble de ces quatre versions, nous dit Saint-Irénée, est comme les quatre points cardinaux. C'est comme si pour les chrétiens, les quatre évangiles étaient une boussole pour se repérer et apprendre à glorifier Dieu. Le premier évangile est celui qui a été rédigé par Saint Marc. Marc étant représenté par un lion. Donc Marc, c'était un disciple de Pierre, un disciple du premier pape. Il va donc s'inscrire dans la mouvance du premier pape et commencer à compiler un peu tous les récits qui circulaient pour rédiger son évangile, son récit donc de la passion, c'est-à-dire de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et il va aussi compiler des logia, c'est-à-dire des paroles de Jésus-Christ. Saint Luc, qu'on représente par un taureau, va aussi écrire sa version de l'évangile, mais en s'inscrivant plus dans la mouvance de Saint Paul, donc dans la mouvance de l'apôtre des nations. Il voulait étendre le christianisme à un maximum de personnes, je vous rappelle, et ne demandait pas à ce que les gens deviennent juifs pour devenir chrétiens. Donc là, on a l'idée, dans l'évangile selon Saint Luc, d'un christianisme vraiment ouvert pour tous les hommes. Ensuite, on a aussi Saint Matthieu, qui va aussi rédiger sa version de l'évangile, mais en mettant plus l'accent sur le côté juif de l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, il dit bien qu'il n'est pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Et enfin, il y a saint Jean, qu'on représente par un aigle, et lui, c'est le plus mystique, c'est l'évangile le plus élevé spirituellement, et il donne une vraie connaissance, notamment de la divinité de Jésus pour les chrétiens. Et les chrétiens vont adopter le symbole du poisson. Alors pourquoi le poisson ? Eh bien à cause d'une sorte de code secret, basé sur un jeu de mots. Ictus, ou poisson en grec, c'est aussi l'acronyme de Jesus Christus Theo Huios Soter, ce qui signifie Jésus-Christ, Dieu notre Sauveur. Donc il est intéressant de voir que nos Bibles, et en l'occurrence le Nouveau Testament, est le fruit de tout cet héritage, de toute cette histoire, de tous ces courants,
c'est cette volonté de créer l'unité à travers la diversité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.